regard que je porte sur la Corse aujourd'hui, c'est un regard d'une Corse qui est en pleine évolution, en plein développement. Alors bon, moi je suis complètement en dehors de la politique et tout ça, mais bon, il y a vraiment des gros changements qui se sont opérés ces quelques années. Vous savez, pour moi, la Corse, l'agriculture fera partie des axes prioritaires, je pense, dans l'avenir, parce qu'on a vraiment une agriculture de qualité et qui est en plus vraiment multidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on a vraiment une gamme très étendue de produits agricoles qui, pour l'instant, sont, je pense, à leur balbutiement. Et moi, je peux en parler parce que je suis souvent sur des marchés internationaux, extérieurs, et quand on voit les produits qu'on a, je peux vous dire que on a vraiment un autoroute devant nous. La Corse accuse peut-être un retard, mais en fait, pour moi, ce retard se transforme en avance. Parce que vous voyez, par exemple, surtout dans le monde agricole, vous prenez la viticulture, vous prenez l'élevage, vous prenez... Regardez les grosses régions qui se sont développées. Le problème, c'est qu'elles se sont développées dans les 50 dernières années avec beaucoup d'intrants extérieurs, beaucoup de produits chimiques, beaucoup de... Et malheureusement, dans certaines régions qui sont quand même des régions très agricoles, comme par exemple la Bretagne, regardez les restes de pesticides, de produits chimiques qu'ils ont maintenant, même dans leurs eaux. Donc c'est bon. Alors que nous, on est resté un peu en retrait, mais du coup, on a toute cette expérience et tout ce travail déjà fait qui va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite, je pense. Les freins, les faiblesses, c'est, je pense, souvent... suivant les filières, peut-être un manque de professionnalisme. Je pense qu'il faut faire confiance maintenant de plus en plus aux jeunes, il faut de plus en plus encadrer les jeunes. Pour moi, l'avenir de l'agriculture corse, elle a un avenir certain, c'est un avenir qualitatif. Il faut savoir que maintenant, en plus avec la mondialisation, avec tous les moyens qu'on a, que ça soit Internet, que ça soit les moyens de déplacement, de livraison dans le monde entier, je peux vous dire qu'on a vraiment un avenir qualitatif. Et nous, je dirais qu'on a vraiment des produits de qualité et une authenticité qui va être très difficile à copier. Et ça, c'est quand même très important pour l'avenir. Quelle serait la Corse idéale pour moi? Mais écoutez, je trouve que déjà, on se débrouille pas mal parce que bon, moi, j'ai la chance de vivre chez moi en pleine campagne, mais à côté de ça, de bouger dans le monde entier. Mais pour moi, la vie est en Corse. Je suis très optimiste. Moi, je suis de nature optimiste et je suis très optimiste. Quand justement je vois tout ce qui se passe autour, c'est vraiment pour moi énorme. Et c'est la Corse de demain, c'est la Corse de l'avenir, c'est, ouais, on va dire, on se rapproche du paradis, voilà.